Acinius sulcatus. Ici, la forme larvaire. C'est un coléoptère d'un genre très proche des dytiques. La particularité de cette espèce est que la larve et l'imago, c'est-à-dire l'insecte adulte, vivent dans l'eau. Un autre coléoptère subaquatique, voici Iphidrus ovatus. Les élytres de ce coléoptère sont toujours noirs, tandis que le dessous est orangé, avec des reflets cuivrés. Une minuscule bulle d'air est accrochée à l'extrémité des élytres.